YouTube, bonjour! C'est Sean Kazma, j'espère que tu vas bien. On y est, YouTube. On y est. Halo 5, dernier des gros jeux de la licence Halo, le seul que j'ai jamais fait à l'époque. Bordel, on est en 2021. Le jeu est sorti en 2015 et en 6 ans, j'ai pas trouvé l'occasion d'y jouer. C'est une catastrophe. C'est une véritable catastrophe. On va remédier à ça aujourd'hui. Je suis trop content. Hier, on a fini Halo 3 ODST, on a fini Halo 4. Je me suis couché soulagé après 10 heures de stream tout de même. J'avais vraiment peur pour aujourd'hui parce que on a eu une semaine quand même sacrément énervée avec le marathon. Je suis très content de pouvoir dire que Halo, c'est peut-être la seule licence que je peux faire d'une traite et ne pas être saoulé comme ça. Alors, d'avance, je suis désolé pour toi, hein, si jamais tu découvres la licence d'un coup et que tu te dis que la chaîne YouTube est submergée de contenu vis-à-vis de cette licence. Moi, c'est un péché mignon. Moi, c'est nostalgique, moi, c'est toute ma jeunesse. Halo 4 nous a laissé sur une fin. Sur une fin bouclée. Sur une fin bouclée. Je pense qu'on peut dire qu'on a terminé un arc. De ce que je sais, rapidos du 5, c'est qu'apparemment on est sur quelque chose de nouveau. Je n'ai jamais été spoilé de quoi que ce soit. Je sais juste que ça va parler d'un nouveau personnage, pour la simple et bonne raison qu'il est sur la jaquette, donc tu peux pas le louper, le bail. Par contre, ouais, c'est une découverte totale. Et donc déjà ça va être très beau parce que c'est le Halo le plus récent en termes de FPS. Alors, je tiens à préciser un truc. On n'a pas fait encore les Halo Wars, on n'a pas fait les Spartan Assault et Strikes, qui sont des épisodes secondaires en partie essentiels pour le lore, mais pas forcément nécessaires si vous voulez juste jouer aux jeux principaux, d'accord? Cela dit, oui, effectivement, si j'avais voulu faire tous les jeux de la saga, il aurait fallu qu'on ait joué à Halo Wars 1 avant Halo Reach, qu'on ait joué au Spartan Assault et Spartan Strikes en plein milieu des épisodes, parce que je sais qu'il se passe entre deux jeux à chaque fois. Et je crois que Halo Wars 2 est officiellement le dernier dans la saga. Donc voilà. Il me semble, j'ai pas eu l'occasion de le voir, j'avais parlé d'un film la dernière fois qui s'appelait Halo Nightfall, et je crois que ce film intègre le personnage qu'on va rencontrer dans ce jeu. Donc je sais pas ce que ça va valoir. Ok, alors attendez. On va pas avoir droit au mode feu d'artifice hein, pour le coup. Je suis un peu déçu. Bon, c'est pas grave. On va jouer en mode normal. Parce que jusqu'à présent, on s'est toujours en mode normal. Présentation de la mission. Équipe d'intervention Osiris. L'équipe d'intervention Osiris est chargée de retrouver le criminel le plus recherché par l'UNSC, le docteur Catherine Elisabeth Halsey. Donc elle est toujours en vie et elle est toujours recherchée. Incroyable! On a lâché notre petite larme hein, à la fin du 4. Entre l'ensemble de la saga qu'on a bouclée, selon moi, et tout ce qui a pu arriver. Vraiment, YouTube, je te spoil pas, mais dis-toi que si tu prends ce jeu en cours et que tu n'as pas fait les précédents ou que tu ne les as pas vus, vraiment va les voir. Parce que sinon, tu loupes un ensemble de choses et c'est compliqué. On est parti, messieurs, dames. Chargement de la mission, déploiement en cours. Je pense qu'on est parti. Messieurs, dames, bonne aventure, bonne découverte. J'ai hâte! Spartan Locke. J'ai passé assez de temps au sein de l'ONI pour savoir à quoi m'attendre. Quand ce sera fini, après tout ce que j'ai fait, ils vous donneront l'ordre de nous tuer.
Équipe Osiris, au cours des 72 dernières heures, 5 colonies ont été touchées par des incidents similaires. Destruction massive, d'origine Forerunner. Le docteur Catherine Elisabeth Halsey a réussi à nous contacter. Elle dit détenir des informations sur ces attaques. Halsey est actuellement détenue par les Covenants sur la planète Kamchatka. Votre mission est de franchir les lignes ennemies, récupérer Halsey et la ramener sur l'Infinity. Une dernière chose, Halsey est accompagnée par le chef suprême des Covenants, Julem Dama. Si l'occasion se présente... Entendu, commandant. Bonne chance, Spartan Locke. Infinity terminé. Pistage activé. Affirmatif. Hey, avant qu'on fasse le grand saut, quelqu'un veut dire un truc ? Si Dieu perçoit ma peur de là-haut, il est sans doute pas le seul. Locke, tu paieras ta tournée quand on aura terminé ? Ta soif, tu paies. Équipe Osiris, on a le feu vert. Ok. Veil, surveille les ondes. C'est à nous. Affirmatif. Oh merde. Buck, Tanaka, montez la garde. Vous me croyez si je vous dis que j'ai souri tout du long? Oh bordel. Oh c'était Epicness, incroyable. Incroyable, y'a trop de choses à dire. Y'a trop de choses à dire. Ok, donc on est le Spartan Locke. Si j'ai bien suivi le lore, normalement, mais j'ai pas vu Nightfall encore une fois hein. Waouh, franchement, waouh, mais ça faisait très Avengers hein. Ça faisait très 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 Avengers. Oh, il y avait de l'épicness en bas. Hein. Donc, on est le Spartan Locke, un personnage qui a été introduit, je crois, avec Nightfall, le film, le dernier court-métrage de 2015. Long-métrage. Buck est de retour ! Incroyable ! Incroyable ! Pour ceux qui n'ont pas joué ou qui n'ont pas vu, c'est un perso, bah c'était le second, dans... Je change mes touches, hein, parce que j'aime pas du tout. Y a pas... à l'ancienne, Recon ? Y a pas Recon à l'ancienne, attendez... parce que c'est pas du tout les mêmes touches. Ça doit être ça. Roi de la gâchette. Attends. Ça ressemble à ce que je connais. Ok. On va essayer ça. C'était l'un des ODST du jeu. Un grand personnage. Incroyable. Ah merde. Attends, non. Ça va pas du tout. Les touches sont cheloues. Attends, j'ai juste du mal avec les touches. Action rechargée. Allo 4. Ah. Ça va peut-être m'aider ça. Ok. Ok, c'est bon, on a les touches, on a les touches. Incroyable! On est une équipe de casse majeure d'élite! Et du coup, il n'y a plus le Master Chief? Ok, oh, il est stylé le viseur. Ok, pardon, on y va. Pouah! YouTube! Je découvre totalement!
C'est trop bien! Merde, j'ai souri tout du long! Je pensais pas que je pourrais être un gosse encore aujourd'hui! Ok, donc le docteur Halsey est en fuite. On veut la juger. Halsey, mais par contre, elle a été kidnappée par les Covenants. Et bah, on va gérer au mieux, hein! Ok. Il va falloir qu'on chauffe, hein! Quelque chose d'important. Et autant qu'on a pas joué. Coordonnées au capitaine Askin. Ou alors c'est un piège. Ah merde! Un visuel. Ok, alors attends, parce qu'il y a un rythme qui a l'air d'être assez différent des autres. Ok, la Sensi par contre, je vais avoir un peu de mal. Hein. C'est un petit temps à prendre, désolé. Ok, donc il y a toujours les Prométhéens. Est-ce qu'on a des capes ou... Oh putain, oui, on a des dashs. D'accord. Et c'est un dash bloqué, genre j'ai pas d'autres capes. Ok, ça reprend beaucoup de choses. Hein. Ça reprend beaucoup de choses. Là, j'ai senti un rythme un peu à la Reach. Des codes d'Halo 4. Ok. J'avais checké un petit peu rapidement. Apparemment, dans ce jeu, c'est le retour des crânes. Vous savez, les crânes qu'il y avait à collecter dans le 3. Incroyable! Bordel, mais je dis ça, mais je suis le seul connard qui découvre en 2021. Hein. Vraiment. Hein. Tout fan de série confondu, bien sûr. Ok. On est bon. Il en reste. Là. Ré. Ok. Bon, je suppose qu'il y a des éliminations. Ça, je m'en fais pas. Ok. Il reste des mobs. Là, par contre, je préférerais des élites, les gars. Vraiment. Et donc les Covenants suivent un nouveau chef. Avant, d'accord. On n'a pas des nouvelles de Vadamé à un moment. Vadamé, je rappelle l'arbitre. Enfin. Des soldats foreigners. Attends quoi? Sur la falaise. Oh putain, c'est nouveau. Des soldats foreigners. Ok. D'accord. Appuyez sur rap et niveau sur rap. Ok. Ok, stylé. Stylé. Oh bonjour. Oh, mais attends, mais ils se déplacent chelou, eux. Les soldats se sont téléportés à travers la glace. D'accord. Ça va pas m'aider. Ok, bon, ça va, pour les armes, c'est la même chose. RB pour effectuer une charge spartane. Oui, pour mettre un coup de crosse, quoi. Voilà, ça s'appelle un coup de crosse aussi, hein. Ok. Une charge spartane, non mais oh. Attends, est-ce que je peux te tuer? Est-ce que je peux t'exécuter? Oh oui! Il est mort. Incroyable, cet ennemi. Ok. Ok, toujours les mêmes carabines. On est bon. Waouh. Mais j'adore en fait. J'adore beaucoup trop bien. Mais du coup, il y a plus les chevaliers. Et il y a plus. Comment ça s'appelle partout. Les drones là. Ok, ça va. C'est pas trop dur pour le moment. On y va. Hop, des munitions. Ah ouais, par contre on a 1000 fois moins de munitions qu'avant, ça va être chaud. Nice. Je rappelle YouTube, même si j'ai pas joué. D'accord. À celui-là. Ok. Pourquoi le fait de mettre un coup de corps à corps, ça fait une animation chelou? Oh, ça m'a perturbé. Dans Halo, ce qui prime, c'est la précision. Hein. Donc en vrai, si on a un viseur, c'est gagné. Mais pour le moment, on s'en sort pas trop mal. Est-ce qu'on fait toujours le défi des morts? Non, parce que là, je suis en mode total découverte. Donc je préfère kiffer le jeu à mon rythme. Je sais pas, on en a pour combien de temps. Hein. Je crois qu'il a la même durée que tous les autres. Cela dit, putain, mais l'interface et tout. S'il vous plaît. J'ai deux. Et bienvenue aux Kazma qui nous rejoignent. On est sur Halo 5. Dernier des jeux principaux de la licence. L'avant Infinite. Et je découvre. Mais... Je me casse les pieds. Viens là. Ok, putain, le corps à corps, ça fait bader. Hein. C'est vraiment dynamique. Par contre, limite, il me faudrait peut-être un fusil d'assaut. Oh, vache, il y a de la verticalité. Hein. Il y a de la verticalité, ça va être compliqué. Ça va être compliqué parce que putain, ça a l'air super grand. Ah! Casse-toi! Ré! Ok. Ça c'est fait. Oula, je crois que j'étais mort. Puis j'ai le dash aussi, faut que j'y pense. Ok, il y a toujours les variantes des chiens en version Sonic là avec les épines. Ok, lui il est mort. Attends, c'est un fusil d'assaut ça? Oui! Ok, bien, allons-y! Je vise mal. On est bon? Non, il est pas mort. Les gars, vous m'aidez à tuer j'espère derrière. Hein. Doc, n'est-ce pas? Putain, mais je suis trop content, c'est con mais j'espérais vraiment qu'on puisse revoir l'un des ODST. Et quand je l'ai vu j'ai eu un doute, mais quand il a dit Buck, j'étais en mode ouais trop bien. J'aime beaucoup Buck, faut le savoir.
Et du coup, ils deviennent quoi les autres? Véronica, Roméo, Mickey, tout ça. Ils sont devenus Spartans eux aussi. Waouh. Secteur dégagé. Attends, mais il y a des vaisseaux Prométhéens maintenant. Bon travail, tout. Enfin, Foreigners. J'ai remarqué un truc pendant le briefing. Depuis quand le docteur Halsey a perdu son bras gauche? 7 joules. Quand et pourquoi, je l'ignore. Heureusement qu'il n'était pas énervé. Sinon, c'est sa tête qui l'aurait coupé. J'ai toujours du mal à savoir hein, si les Foreigners ce sont nos alliés ou si c'est les... Non, les Foreigners c'est les ennemis, ça oui. Mais c'est les Prométhéens, j'arrive pas à caler qui est qui en fait. Analyser le système Foreigner. Ok, quitter le poste de sécurité. Ça devrait le faire. Ok. D'accord. Qu'est-ce qui se passe? D'accord. Qu'est-ce que j'ai fait? D'accord. Eh ben c'était bien. L'Artemis a marché. Munition. Écoute un peu ça. On donne l'assaut sur l'arrière du temple. Sortez le Kraken. Joule M. Dama. Ah, c'est pour ça que dans le chat vous voilà me dites Joule, j'avais pas capté. Voilà le Kraken. Attends, c'est quoi ça? Tenez vos positions. Wouah! Joule sait plus quoi faire. Attends, c'est quoi ça? Dis-moi où t'as appris à parler Sangeli. C'est plus gros qu'un scarab, hein. J'étais gamine, je me suis retrouvée coincée à bord d'une navette diplomatique. Six longs mois à dériver, perdu au beau milieu de l'espace. Alors j'en ai profité pour apprendre. Bah, t'as raison, hein. T'as raison. Oui, tout à fait. Eh bien, je précise que si jamais vous êtes intéressé par la licence, sachez que ce Halo... Un terminal de données? Oh, je crois que j'ai trouvé un truc. Renseignement Osiris, 1 sur 7. 1 sur 7 Non mais les gars, j'en ai forcément déjà loupé. C'est Halsey. Halo 5 est pas dans la Master Chief Collection. Hein. Il est à part. En même temps, il est tout seul, le book il pèse 50 gigas. Hein. Ok, pardon, vu que j'avais un boîtier, je pensais que le message me suivait, mais en fait il est resté là-bas. Ok, allons-y. Notre objectif est de l'autre côté de ce champ de bataille. Attention au Kraken. Les Covenants essaient de s'en servir pour forcer les lignes prométhéennes. Ah non mais d'accord. Non mais attends, mais le boucle il est géant. Mais quoi? Mais qui m'occupe? Mais je... Hein? Il attaque qui là? Oh, un élite. Ok. Ok. Mais attends, ils étaient pas copains eux avant? Oh les gars, je suis perdu. Je suis perdu, pourquoi ils se battent à nouveau? Parce que genre, au début du 4, ils se battent. Puis après, genre, ils font une trêve parce que... j'ai pas compris pourquoi. Mais du coup, je suis avec personne, moi. Bon, d'accord. Le retour de la bataille des 5 armées. Voilà, voilà. Toi-même, tu sais. Ok. Tip-top Moumout. Tip-top Moumout, tip-top Moumout. Attention à ce truc, hein, par contre, hein. Ils sont un peu hors décor, mais ils ont un peu tendance à me faire chier. Ok. Ok. On est bon. Alors, par contre, paye ta facilité. Les gars, s'il n'y a plus de chevalier et qu'à la place on a ça, franchement, ça va le faire. Hein. Franchement, ça va le faire. Ok. Ok. En vrai. Comme toujours, hein. Allô, moi je vous conseille de jouer en coop. Vraiment la meilleure expérience. Bien. Là. Ok. Ok. Oh, nos gosses. Ok. Ok. Bien. Ok. Je suis admiratif de fou de ce qui se passe en fait. Le Kraken va en traite. Les défenseurs runners ont eu raison de lui. Tant mieux. Tant mieux parce qu'il est gros. Allez, casse-toi. Casse-toi. Mais il est énorme. Mais regardez-moi ce bougre! Mais quoi? Mais il est beaucoup trop gros! Après, on dirait que c'est un tronc. On continue en direction d'Alcée. Là, qu'il manque un bail, genre. Une espèce de mégazord. Attends. Oh, ça sent les trucs cachés, ça, un peu. Non? Non. Bien. Allons-y.
Allons-y, Alonzo. Alors, maintenir un bien faisant Alonzo pour effectuer un coup au sol. Ah bon? Attends, quoi? Oh! Oh, mais quoi? Attends, c'est nouveau ça! Attends! Attends, j'aimerais essayer ma capacité! Attends! J'arrive pas. Attends, je prends le seul truc qui marche pas. C'est quoi déjà? Deux secondes, ça bouge un peu hein, quand même. Ok. Putain, les gars, j'arrive pas à essayer le truc. Tu me saoules, quoi? Je suis à terre, aidez-moi. Ah bah d'accord, bah j'ai pas vu que j'allais mourir. Putain, tu vois pas quoi? Quoi? C'est bon, merci. Ah bah super, ah bah mais trop bien ce truc. Ok, waouh, YouTube, je suis pas habitué. Ok, mais ça considère quand même que je suis mort en fait. C'est juste pour pas niquer la dynamique. Genre, je suis quand même mort. Bon, je suis quand même mort. Ok. Je vois rien. Il est où lui? Là. C'est bon. Ok, par là, c'est la suite. Bon, du coup, je peux faire un coup sauté, mais j'arrive pas à le faire. Là-haut, cowboy. Voilà. Ok, et par là, y'a quoi? RAS. Attends, du coup, c'est quoi le bail du coup sauté là? Damas sont quelque part dans cette structure. Wouah, d'accord, ok, c'est stylé. On est des Avengers. Damas a dû en prendre un coup quand les Prométhéens se sont retournés contre lui. Lui qui avait joué la carte du prophète Forerunner. Julem Damas est un opportuniste, pas un meneur. Sa vision du Covenant était condamnée à péricliter depuis le début. S'il avait pu péricliter plus vite, ça aurait pas été plus mal. Lol. On se rapproche d'Alcée. D'accord. On est d'accord par contre que les sous-titres c'est n'importe quoi. Hein. J'ai été dans les paramètres parce que je voulais les rétrécir. Je suis désolé, ils sont dégueulasses as fuck. Mais j'y peux pas grand chose. Deux nouveaux glyphes foreigners, dont un totalement inconnu. L'analyse du deuxième a révélé des similitudes avec un ancien symbole sanguélier. Le symbole en question évoque l'existence d'un monstre qui sommeille dans les entrailles de la Terre et ne doit surtout pas être réveillé. Je ne suis pas sûr de comprendre ce que vient faire le signal dans tout ça. D'accord. Et du coup, je suppose que on va réveiller cette créature d'une manière ou d'une autre. Hein? C'est chevalier. Ah! Oh, il y a des chevaliers à nouveau? Oh bordel. Non mais alors attends, parce que du coup les chevaliers sont du même côté que les soldats chelous là. Ok, attends. Donc ça c'est des Prométhéens. Non, ils se battent quand même. Ok. Ils font plus une alliance, je comprends rien. Sélectionner, pas désigner comme cible. Éliminer le rampant. Descendez le chevalier. D'accord, oh là là. D'accord, mais maintenant en plus t'as des ordres à donner. YouTube, je suis pas prêt encore moi. Quoi? Normalement! Pourquoi? Système HS. Pourquoi le bail il a jamais voulu mourir? Pourquoi le bail il a jamais voulu mourir en fait? Quelqu'un m'explique? Merci Spartan. Ok YouTube, j'ai vraiment l'impression de redécouvrir le jeu. Vraiment. J'ai mis 4 balles de cartouche au corps à corps pur. Un chevalier il est jamais mort. Ok mais il y a tout à réapprendre en fait. Oh c'est chaud. Tu sens en fait que c'est un espèce de renouveau. Hein. Mais regarde ça! Mais il prend que dalle! Ok, c'est bon. Ah, oh, c'est dur quand même! Hein. Mais regardez! Il prend rien! Oh bordel. Super, donc les chevaliers, c'est redevenu mon angoisse. Génial! Ah bah, je suis content! Voilà, nique-toi de l'intérieur. Ré! Le point lumineux, quel point lumineux? Ah, derrière là, dans le dos? Non mais mec, j'allais pas faire ça avant. Hein. Trouvons Alcée et Jules. On prend les mêmes, on les rend plus durs et on recommence. Ah bah super. Super. Et quoi ça? Hein? Encore? Je vais essayer de faire mieux YouTube, hein. C'est une découverte. Tous les résultats qu'on pourrait attendre d'une structure foreigner de cette taille sont incohérents. Je commence à me demander si le signal ricoche bel et bien sur ces objets comme je le pensais.
ou si elle tente d'y accéder directement sans y parvenir. Attends. Parce que moi j'en ai un peu marre d'être bête là. Foreigners. Les Foreigners, c'est quoi? Ok. Les Foreigners, c'est les méchants. Donc c'est les créatures qu'on affronte depuis tout à l'heure. C'est ces trucs là. Ok. Non, ça c'est un élite. Les Foreigners, c'est les chevaliers, c'est ce que j'ai dans les mains et tout. Ok. Les Prométhéens, c'est quoi? Prométhéens. Ok, bon du coup je comprends plus rien parce que je tapais Prométhéen et je suis tombé sur les méchants. Donc non, ce que je suis en train d'éclater depuis le début, c'est des Prométhéens. C'est quoi les Foreigners alors? Ok, les Foreigners, c'est les êtres vivants, organiques. Ok. Ça, tout ça, là, c'est des cyborgs, c'est des androïdes, c'est des machines. Des machines bien évoluées. Ok, Prométhéens, vivants, Foreigners, organiques. Mécaniques. Ou l'inverse. Je suis perdu. Plusieurs. Souhaiteriez-vous qu'on débatte des subtilités de la reconstruction temporelle? Les humains et leur sarcasme. Au moins, vous aurais-je appris quelque chose. Vous prétendez pouvoir accéder en au... effet. Toutefois, je n'ai jamais prétendu que je pouvais y accéder instantanément. Votre sécurité est menacée. Il faut prendre une décision. Et vite. Vous feriez bien de me témoigner le respect dû à la main du didacte. On dirait bien que vos doigts font de la résistance très honorablement. Assez! Salut, beauté. Remettez-vous au travail. Cible en vue. Ses coordonnées sont très insuffisantes. Dès qu'elle enverra une autre transmission, il faudra trianguler. Ça suffit, docteur! Ça fait des semaines que vous courez après un fantôme sans aucun résultat. Qui voudrait vous parler. Il vous en aura fallu du temps. Équipe Osiris, vous pouvez atterrir à l'aire d'amarrage numéro 11. J'ai envoyé mes coordonnées il y a 3 semaines. Je vous avais prévenu. Nous en discuterons en privé, docteur. Palmer. Qu'a-t-elle fait au juste? Mais elle est allée jusqu'où? Bien joué, Osiris. Qu'est-ce que vous dites de ça? Major s'agitait comme ça depuis qu'on a fait nos classes. Tout ira bien, Fred. J'en doute. Le surmenage, c'est pas bon. Sierra 117 à Infinity. L'équipe bleue a localisé l'Argent Moon. Il y a une présence ennemie à bord, mais il n'a pas bougé. Bien reçu, 117. Éliminez tous les ennemis et sécurisez l'Argent Moon. Déploiement autorisé. Affirmatif, Infinity. 117 terminé. Thank you.
Kenny. Tout le monde est prêt ? Affirmatif. Ça va aller ? Équipe bleue, en avant. Mais quelle entrée fracassante! Là, tu me parles! Bon, bah let's go, mission 2. Or, par contre, il est où? Fred! Fred, il me perturbe, il a la voix de George. Le Spartan de Rich. Le plus simple serait de reprendre le poste de contrôle central. On élimine les ennemis sur notre route et on désactive les systèmes de gravité et de survie. Ok. Le centre de données est droit devant. On y trouvera les plans de l'argent. Ok, bah allons-y. On gère des unités maintenant, perturbant. Ok, et du coup, le casse-major est toujours en action. Incroyable. Donc, le docteur Alsa a été récupéré. Les choses progressent. J'étais en train de me renseigner pendant la cinématique sur Prométhéen et Forerunners parce que je suis désolé, mais j'ai beaucoup de mal avec les deux. Donc c'est ça, hein. Les Prométhéens, en fait, ce sont tout simplement les ennemis. Les ennemis, au même titre que les Covenants par exemple. Par contre là, les élites reparlent français dans ce jeu, ça me perturbe un peu. Alors tant mieux, parce que j'aime bien les comprendre et tout, c'est sympa pour le lore. Par contre, c'est vrai que du coup, bah, d'un épisode à l'autre, des fois ils parlent français, des fois ils font « Ah, grâce Namania, blablabla », machin. Donc compliqué, tu vois. C'est quoi ça? Oh. En route pour le centre de données, équipe bleue. Attends, est-ce que le fusil d'assaut... Mais non, mais le fusil d'assaut, il est inviseur maintenant. D'accord. Bon, je prends un pompe quand même, hein. Messieurs-dames, it's time. Allons-y. Et apparemment, les Ungoys se rebellent. Sur les plans d'un nouveau vaisseau furtif. Je rappelle, c'est le véritable nom des... Ils ont perdu des années de recherche avec ah oui, c'est joli. Hein. C'est le véritable nom des grognards. Parce que nous, on appelle ça des grognards, les humains, parce que ça grogne. Mais leur vrai nom, c'est des Ungoys. Et les autres, je sais pas. Parce que je retiens pas le nom. Rapace, élite, tout ça. Je sais que ça a des noms... oula, plus original. Ok. Ok. Ok, nous aussi on a un dash. On n'avait pas un jetpack? Là. Et là il reparle français. Eh bah super. Bah tant mieux. Tant mieux. Mais du coup dans le 4 il parlait plus français. Bah tu m'étonnes que les gens ils étaient pas contents. Bah mec, c'est pas drôle. Les grognards, on veut qu'ils parlent français. Ils disent trop de conneries. C'est trop bien. Charge des collectables, hein, si jamais. Et bonjour au Kazma qui nous rejoint. Bienvenue, on est sur Halo 5. Dernier jeu de ce marathon. Enfin, dernier jeu officiellement prévu. Après, peut-être qu'on en fera d'autres. Ok, bon, les élites, c'est toujours de la merde, hein, par contre. Question. Attends. C'est bizarre parce que l'animation des ennemis est pas buggée. Mais je sais pas, genre elle est bizarre. Ok, les Needlers ça marche toujours aussi bien. Tip top. Tip top, tip top, tip top. Oh. Ok. Ah. Mon Needler ça? Mon Needler. Ok, 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 bah allez-y les gars. Gérer. Moi j'ai pas l'habitude de vous donner des ordres, vous allez vous démerder un bon coup. Est-ce que l'un de vous sait où j'ai mis mon pompe? Où c'est que j'ai mis mon pompe? Tu es allé par là? Ah! Non. Hmm.
Ce jeu ouvre à l'exploration. Hein. Je trouve ça si de pouvoir viser par contre avec le fusil d'assaut, pour le coup. Mais qu'est-ce que j'ai fait de mon pompe? Possible ça. Bon, bah, je crois qu'on va rage quitte. Hein. Attends, je l'aurais pas laissé ici? Vas-y, laisse tomber, ça me saoule. C'est pas grave. Bon, j'ai perdu mon pompe. Qu'une idée d'où il est. Ah, c'est toujours un peu à ta tierce. Ok, toi là. Voilà, tu dégages. Le centre de données est droit devant. Allons-y. Ok, ok, ok. Okay. Toujours les grenades flag, hein. Tu contrôles toujours le Master Chief? Alors, on le contrôlait pas dans ma première mission. On contrôlait un Spartan du nom de Locke. Et là, apparemment, on le contrôle à nouveau. Alors, je me demande si. On a un jeu complet de clés de sécurité pour la station. Si le jeu est pas construit comme le 3. Trouver les plans de l'Argent Moon et un passage jusqu'au poste de contrôle central. À coup de missions alternées, tu vois. Genre un coup Locke, un coup le Master Chief jusqu'à ce qu'il se retrouve, je suppose. Autorisé. Oh. J'ai accès aux banques de données. Prends les données et la carte des affectations. Le hangar d'assemblage droit devant nous mènera au poste de contrôle central. Il reste encore des rôdeurs dans les hangars. Mais c'est trop bien, en fait on peut viser toutes les armes. Attendez, le poste de contrôle central. Non. On y va. Alors par contre je vous le dis, il n'y a pas moyen. Il n'y a pas moyen, on fait tout le jeu sans Cortana. Je sais pas où, je sais pas quand, je sais pas comment. Alcée ou autre, vous vous démerdez. Je veux revoir Cortana. Sinon je fais pas Infinite. Voilà, c'est dit, je vous le dis. Kazma pas content. Ascenseur? Ascenseur ça? D'accord. Les gars, en avant. Le poste de contrôle central est au bout de son hangar. Tout a l'air en vrac. Je peux pas leur donner des ordres totalement, hein. Je peux juste leur dire va voir l'ennemi là s'il y a un ennemi, mais je peux pas leur dire genre mets-toi là, tu vois. Est-ce que je peux les tuer? Enfin, les foutre à terre. Putain, mais oui! Ok. Non, je me demandais parce que du coup, moi quand je suis à terre, il me régène. Alors peut-être que l'inverse existe, mais d'accord. Incroyable. Mais regarde pas comme ça, je fais des tests! Oh, ils me jugent dans leur regard! Ah, j'aime pas ça, hein. Oh! Bah, le voilà! Il m'attendait en bas. Passons à travers. D'accord. D'accord. Alors, il faudra au moins que je refasse le jeu une fois dans mon coin. Parce que forcément, vu que je l'aurais fait qu'une fois avec vous, je vais forcément pas capter des trucs. On rappelle qu'on a fait tous les Halo plusieurs fois. À l'exception du 4 qu'on a fini du coup aujourd'hui, bah 3 fois. Oh! Oh! Oh, sympa ça! Ok, bah ça part. Ça part, ça part. C'est une variation de la mitraillette du 2, ça. Avec un semblant d'ODST. AB pour effectuer une charge. Hein? Sur ça, du coup? Ok, c'est bon. Que se passe-t-il? Vous voyez? Ils ont une espèce de mouvement un peu saccadé, mais on dirait que c'est voulu, en fait. Ça me perturbe. Oula. On se calme. Ah oui, alors, attends. Comment je fais? Je suis un Avengers! Putain, mais ça, les gars. Mais ça, quand je vais réussir à le maîtriser. Ça, quand je vais réussir à le maîtriser, ça va être monstrueux. Y'a plus les capacités, hein, par contre. C'est pas plus mal. C'est pas plus mal. Nya! Avengers! Stylé! Ok, stylé, j'aime bien. Par contre, les gars, soit vous servez à quelque chose. Planté. Soit vous arrêtez d'être dans mon passage, la vérité! En fait, dès qu'ils sont dans le passage, ils m'ont empêché de passer. Oh, ça va être chiant. Oh, ça va être chiant. Je sens que ça va être déboulé. Je sens que ça va être déboulé de jeu vidéo. Et du coup, je pose des questions, hein. Je suis désolé, je découvre. Hein. Et du coup, je vais forcément théoriser au passage. Si on joue en multi, je suppose que quelqu'un joue un autre perso, tu vois. Genre, joue un Frédéric ou un truc comme ça. Et joue pas le Major, ce qui serait canon du coup. Vu que dans toutes les missions, il y a plusieurs persos apparemment. Plusieurs Spartans. Regardez, j'espère vraiment retrouver d'autres persos, hein, parce que je trouve ça encore trop cool d'avoir retrouvé Buck. J'ai plus de mun. Ok, et je vois pas du tout quand ma vie, il y en a plus. Voilà. Ok, je peux faire des dashs en l'air. Ok. Là. Nya. Bonjour. Attends, donne-moi. Putain, elle est où?
Attends, il y avait un fusil d'assaut là. Là, je l'ai vu. Là. Au cas où vous dites que je joue pas vraiment comme les autres, dites-vous en fait que la mania est différente en fait, manette en main. C'est un peu particulier, mais genre la sensi et tout, je sais pas, c'est pas pareil. Viens là. Viens là. T'as rien de te cacher. C'est moi le loup. Allez. Flingue, ça me va. Alors, monsieur. Oh le con. Secteur dégagé. Oh il est beau hein. En vrai depuis le 4 l'épée laser elle est monstrueuse hein. Ok. Ok, fonctionne toujours pareil hein. Ok 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 ok. Ne soyons pas déstabilisés. Je préfère le pompe, tu as dit. Toujours préféré le pompe. Moi je suis très moi je suis très mes valeurs, ma planète Terre, l'humanité, tout ça. C'est beau. D'accord. Enfin je veux dire, j'utilise vraiment les armes humaines. L'hydra, c'est quoi l'hydra? Attends, j'ai pas envie de laisser dans le vide le bail. C'est un lance-roquette. C'est pas un lance-roquette. J'arrive pas à savoir si c'est bien ou si c'est de la merde en fait. Oh une carabine, ça c'est bien. Ok. Ok ok ok. Ah mais il y a des ouvertures. Ok. Attends, on va faire toute la petite merdasse. Ok. 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 Efficacité YouTube. Efficacité. Ok. Par contre ce que je trouve cool tu vois c'est que à découvrir le jeu aujourd'hui, bah au bout du compte j'aurais à peine quelques semaines à attendre pour Infinite. Alors que je me dis que les personnes qui ont découvert ce jeu en 2015, il y a forcément un cliffhanger à la fin qui donne envie de savoir la suite, comme toujours dans les Halo hein. Et bah moi j'aurais pas à attendre. Et ça c'est le plaisir. Bon par contre après Infinite on verra. Ok. Par contre vouloir absolument mettre un nouveau titre à la licence parce que c'est la mode et parce que beaucoup de jeux le font maintenant, j'ai un peu peur de l'idée perso hein, pour la suite de la saga. Parce que à moins que Infinite soit le dernier. Y'a un snipe. Y'a un snipe, il est où? Il est où? Ah mais les gars, mais vous voyez pas qu'il y a un problème? Je sais pas, genre il est parmi nous, genre tirez lui dessus. Moi je l'avais pas vu, genre je pensais que c'était un Spartan. Et un rapace parmi les Spartans hein. Et donc ouais, l'idée de mettre un nom sur le prochain épisode, j'ai un peu peur que ça bloque pour la suite. On se sente obligé de mettre des noms pour les prochains jeux, tout ça. Et qu'il n'y ait plus une vraie continuité comme il y avait à l'époque. Après, en vrai. Mais t'es con! Mais maintenant, en vrai, je disais depuis le 4, je pense que. Je pense plus qu'il y a une vraie continuité, je sais pas. Franchement, je sais pas. Donc maintenant, on peut viser avec le pistolet plasma. Incroyable. Voilà! Par contre, j'ai pas de flingue. C'est pas la folie. Ok. Attends. Pas terrible le dash hein. Pas terrible terrible. Oh voilà, ça que je cherchais. Nice. Meurs. Salaud. Il se cache. Et où? Là. Voilà. Ok. C'est bon. Youh. Direction le poste de contrôle central. On est bon. Alors. Ok. Arrêtez de me suivre. Soyez pas des moutons de l'espace en armure. Le poste de contrôle. Soyez pas des méca moutons. Derrière ces portes. Ok. On est venu faire quoi? Wow, wow, wow. Il m'a fait peur. Équipe bleue au rapport. Sierra 117 à équipe bleue au rapport. Sierra 117, vous me recevez?
Le domaine est ouvert. Prochaine étape, Méridian. Cortana. John, la reconquête va commencer. Elle est sur Méridian. Qui ? Cortana. Ok. C'est impossible. Je croyais qu'elle avait disparu. Je l'ai regardée mourir. Bref, la mission avant tout. On en parlera plus tard. Lumière. Attends, oui, il n'y a pas moyen de... Poste de contrôle Merci, central. Ok, parce que je voyais que dalle. Fichage des plans. Il y a un ascenseur en état de marche, mais il se trouve 4 étages plus bas. Guide-nous. Ok. Donc c'est le retour de la destinée, incroyable. Et oui, oui, je le savais, tout le monde le savait. Cortana est de retour, yes. En fait, il pouvait pas faire un jeu Halo sans Cortana. Alors j'ai vu c'est où la suite, hein. Juste, je me perds 30 secondes. Cette forme noble et guerrière. D'accord. Et on a vu quelque chose d'un peu particulier. C'était bizarre, cette entité là. Du type Prométhéen Gigento. Ok, je bats un peu. C'est quoi Méridian? C'est une planète? Mais quoi? Qu'est-ce qu'il raconte lui? Ah, je suis fan. Ah, je suis fan. Ok, ils ont des bonnes répliques. Ok, ils ont des bonnes répliques. Ça va être bien. Ça va être très bien. Enfin, faut imaginer. Je vais par là. Attends. Wow! Les gars, j'ai pas l'habitude d'être accompagné. Attends, 2 secondes. Du coup, j'ai trouvé le bon chemin ou... Ok, donc par là, c'est... Vers l'arrière. Par là. On avance par là. Ok, alors attends, parce que s'il commence à y avoir des alternatives, ça va être très compliqué. YouTube, ça va être très compliqué. Parce que je suis du genre à vouloir aller partout et nulle part en même temps. Ça va être très compliqué. Bon, je vais aller par là. Je vais aller par là parce que de toute façon, je suppose que les trois mènent au même. Un conduit. Oh! Bonjour. Les élites, camouflage activé. Par contre, il y a quand même un grenier qui a dit c'est pour ça qu'on a été formés, les gars. Je suis à terre. Non, mais c'est dur! Enfin, je veux dire, tu meurs très facilement! Ok, c'est malin le coup des élites dans le noir. Non, les gars, venez pas tous me sauver en même temps, je vous assure que ça va bien se passer. J'y retourne. Ok, on y va. Il est où? Là. Voilà. Ok, on y retourne. Ah, mais oui. C'est 1000 fois incohérent parce qu'il parlait pas français dans le 4. Mais c'est pas grave parce que là il reparle français, c'est stylé. Ok, le jeu est cool. Hein. Nya. Ok, ça dégage. Réglé. On y va. Secteur dégagé. Objectif, Major, trouver Cortana. Qu'est-ce qu'elle t'a dit, Cortana? Pas grand-chose. Elle a parlé de Méridian. Méridian est un trou perdu. Mm-hmm. Si elle est toujours en service actif, qu'est-ce qu'elle fabrique? Et surtout, comment elle a survécu? C'est les chasseurs qui font ce sbeul, là. On va se calmer au-dessus, hein. Wow! Oh putain, pourquoi ça sent les nouveaux problèmes? Ils sont juste derrière nous. Non, c'est bon, c'est des chasseurs. Oh, les gars, mais les chasseurs, mais t'as vu le bordel qu'ils font? Oh, mais attends, mais ils sont méga vénères. Je vais me taper un chasseur au tournant. Ok. Ah ok, l'avais pas vu. Par contre, le fait que tes potes te sauvent tout le temps... Je trouve ça bizarrement bien et pas bien, tu vois. Parce que du coup, t'as pas ce côté accomplissement que t'avais dans les anciens. En même temps, tu gardes la dynamique de ça continue, tu vois. Je pense qu'à un moment, ça va être tellement dur que même tes potes, ils vont pas réussir à suivre. Après, oui, c'est un tapage nocturne, effectivement. Les chasseurs vont se faire virer de l'appart. Mais c'est leur faute aussi, hein. Gros projet X,
Putain, ces sous-titres, ça me fatigue. Ah, bordel, ça me fatigue. Non, mais ouais, je sais pas. Bizarrement, j'ai envie qu'ils me suivent longtemps. Parce que tant qu'à faire, ça me rassure. C'est jamais, hein, je sais pas s'il y a le flou ou quoi dans le jeu. Mais s'il faut, me suivez pas trop, quoi, pour qu'on reprenne l'ambiance à l'ancienne. Ok. Ok. Enfin, il y a plein d'endroits où aller. C'est compliqué, il va vraiment falloir que je relance le jeu une deuxième fois. Ok, ça dégage. Voilà. Ah, je suis prêt. Quoi? Wow! Ok. Tain, ils arrivent énervés! Niveau 3. Fait de la lumière, ça? Y'a pas de lumière. Ok. Ok. Mes potes, inutiles sur 20. Hein. Vraiment. Surgissent du sous-espace. Ok, c'est joli, hein. Major. Plusieurs milliers contre un. Hors de question qu'on leur livre l'argent de moi. Alors, plusieurs milliers contre 4, hein. 4 Spartans, les gars. Un Spartan, ça vaut déjà plusieurs milliers, hein. Alors, tant pis pour le donc, techniquement. On passe à l'opération sabotage et on évacue l'argent de moi. D'accord. Et bah, allons-y. Évacuons l'argent de le bâtiment explose et détruit tous les vaisseaux à l'entrée. Attends, je suis pas fan du pompe sur la durée là. On peut passer par les gars. Ok, c'est bon. Je vous indique le panneau d'accès. Saboter la station. Par là. Ok, on va dire par là. Niveau d'accréditation accru. Merci. Un plaisir. C'est quoi ça? Il est question de Julem Dama sur les ondes covenantes. Les nouveaux venus prétendent qu'il est mort. Quelqu'un a tranché la tête de l'Alliance. Bravo. Ouais. Attends, Julem Dama, c'est... Ils sont forts mais lents. Utilisez l'équipement du labo pour... C'est celui de tout à l'heure. Attends, c'est le chasseur qui a ce truc. Non mais quoi. Mais attends, mais ils font trop peur. Attends, mais ils font méga peur. Mais y'a pas à faire peur comme ça, oh. C'est un chasseur, le bail. Fait 30 fois, je l'affronte. Ok, je sais, pas de phase, je sais, t'énerve pas. D'accord, et ça colle plus maintenant. Ah bah je vais mourir, ah bah super. Ah bah génial. Aïe. Oh. Non mais attends, mais ça fait office de boss de bail. Y'en a un deuxième en plus, non? Bah oui, bah forcément. C'est toujours par deux. Ok, j'ai compris. On va prendre le pompe. Bien. Mais arrête d'envoyer ma grenade. Oh le bâtard. La vache. Ça a rien à voir avec les anciens. Tu sens qu'ils ont vraiment modifié la formule, hein. Il n'y en a pas un au moins. Wow. Ok, il est quasiment à poil. Ça a rien à voir, ça m'énerve. Nya. Mais waouh, mais je redécouvre tellement le jeu, c'est chaud. YouTube, si t'as pas la manette en main, tu te rends pas compte. C'est vraiment pas le même jeu, c'est perturbant. Par contre, je vais mourir, merci. Je suis là, j'ai besoin de soin. Ok, on dégage. Et du coup, l'autre, il est mort, hein. C'est officiel. Alors, par contre, plus je m'enfuis, plus c'est la merde. Hein. Plus je m'enfuis, plus c'est la merde. Passage vers le réacteur, par là. Ok. Ok. Merde, loupé. Oh la vache, mais quelle angoisse! Le cœur du réacteur est juste en dessous. Mais quelle angoisse! Mais c'est quoi ça? Système de ventilation désactivé. Mais depuis quand un chasseur ça fout la merde comme ça? J'ai trouvé un petit spot. Tiens. Ok. Localiser objectif. Ah pardon, ça s'est ouvert. Pardon, j'avais pas vu. Ok. La salle du réacteur est droit devant. On allume la mèche et on se casse. Les covenantes n'en profiteront pas. Ok, on y va. Ouais, ça se pète, ça. Hein. Mais. Ok.
Ah, attends, du coup, il y avait quoi de l'autre côté? Il y avait. Bah, que dalle. Bien. Appuyez sur sprint et appuyez sur AB pour effectuer une charge. Ah, pardon! Je savais pas ça. Ok, ils sont grave nombreux. Ok, ils sont grave nombreux. Allez, go! Ok, par contre, ils sont nombreux. Mais toujours facile. Ça, ça va. Ok. Ok. En avant. Loupé. Les commandes du réacteur sont de côté de la salle. Éliminons les forces covenantes pour atteindre le panneau de commande. Et bah allons-y. Allez, toi, ça dégage. Yo, c'est Crytek, tu joues sur PC ou sur Xbox? On est sur Series X. Comme ça, je joue à la version la plus optimisée, sans avoir à me poser de questions. D'ailleurs, je crois que le 5 est le seul pas dispo sur PC. Hein. Si jamais. Il me semble que tous les autres le sont, mais le 5 n'est pas encore dispo. Je sais pas si Infinite est prévu Day One pour la version PC, d'ailleurs. Bonne question, quoi. Mais de toute façon, s'ils ont fait tous les autres, ils sortiront un jour. Hein. Faut juste être patient. Mais du coup, ouais. Dernier jeu à l'eau avant Infinite, dans les jeux principaux. Et surtout, pour moi, grosse découverte. Ok, moins 1. Je me la joue très perso, hein. Vous remarquez, j'ai pas l'habitude d'avoir une team. Hein. Alors, pas dispo entre guillemets, tu peux le jouer via le Game Pass, tu peux. Ok, ouais, avec le cloud. Mais le cloud, bon, je le compte pas. Je le compte pas. Non, 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 moi je parle vraiment de support fixe. Pas de ceci ou de cela. Ok, je suis coincé. Bordel. Vous me saoulez, les Spartans, en vrai. D'accord. Ok. Non, enfin, ils me saoulent dans le sens où j'ai l'impression qu'ils sont toujours là, il faut pas. Ok. Waouh, mais les élites, à chier! À chier! Vraiment, hein, depuis qu'il y a les Prométhéens. Je cherchais hein, pour pas m'en mêler, désolé. Encore du mal avec la différence. Ouais, depuis qu'il y a les Prométhéens, les élites, c'est de la merde! Non, 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 c'est bon. Non, oui, c'est bon. Okay. On se pose, on se pose, on se pose, go. Neutralisez-les qu'on puisse saboter le réacteur. Mais. D'accord. Pas Puppy. Popu. Bah voilà. Non. Ok. Ok. Objectif. Objectif. Là. Comment directeur? Ah, c'est ça que je voyais de loin, le truc jaune. Ok. Pipipipopu. Ok, Frédéric, il a pas peur, hein. C'est bon, le réacteur est en surcharge. D'accord, donc maintenant on s'arrache. Maintenant on s'arrache. Confinement. Oui, oui, 2019, le Covid, tout ça. Le jeu préchote, hein. On peut y remédier. Montez sur le réacteur. T'es sérieux, là? Quand il est éjecté, on part avec. Ok. Merci de pas spoil sur le Twitch, hein. Si jamais... Si ça spoil, c'est ban. Tout de suite. Je vais où? Ok, d'accord. Ok, bon, bah c'était là où ils étaient tous. Ok, l'endroit où ça fait peur. Ça va, je commence à avoir le réflexe de courir, en fait. Ok. Chambre de refroidissement opérationnelle. Je pense qu'on aura le temps pour encore une troisième mission avant de couper la VOD. Hein. Du liquide de refroidissement va être injecté dans le réacteur. D'accord. Si le liquide de refroidissement fonctionne, notre plan tombe à l'eau. Ah. C'est dommage de sacrifier l'argent de Moon, mais j'adorerais voir la tête que feront les Covenants quand la station explosera. J'approuve. J'approuve, j'approuve. Moi, je veux savoir pour Cortana. Et Meridian. Comment on l'arrête? Et Jules. Il y a des boîtiers de part et d'autre de la chambre. Savoir comment d'un rappeur français pas ouf, il est passé à conquérant de l'espace, tu vois. Il y a des banshees, hein. Des banshees teubés, hein. Oh, des banshees sacrément teubés. Ok. Ok, on va se la jouer banshee. Très bien. Attends, il y a plusieurs objectifs ou pas? Ah putain, oui, d'accord, il y a plusieurs objectifs. Ok, on va au banshee. On va au banshee.
pense que je peux en voler en vrai, mais bon. Donc le jeu est pas de mon côté là-dessus. Ah, pour le faire. Ok. Skip. C'est bon. Quoi? Lâchez-moi. Lâchez-moi ou je vous désingue. Et... ah, attends. Ça, là. Oh. Ok, ça, j'ai capté qu'on pouvait les péter, ces trucs. Hein. C'est un lance-roquette, ça? D'accord. Ça a changé. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Fais voir. Est-ce qu'il y a un... il y a un viseur. Ok, bon, ça. Oh, ça marche bien. Oh, oui, 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 oui. Ok. Ok, toi là. Oh, j'adore le bruit. On y va. Alors, comment ça fonctionne? Ok, comme le 4. Les conduites sont protégées par des volets. Trouvez un moyen de les ouvrir. Les conduites sont protégées par des volets. Quels conduits? Attends, oula, c'est avec moi. D'accord. RB pour faire un tonneau. J'y arrive pas. Je n'y arrive pas. Alors ça c'est LB. C'est pas RB. C'est pas grave. Après j'ai peut-être mal lu. Hein. Bien. Par là. Ok. Le jeu a l'air cool pour le moment, hein, vraiment. J'aime beaucoup ce qui se passe. Sans je vous donnerai mon jugement à la fin. Hein. Quand on verra où c'est que ça mène. Alors attends, ça c'est à moi. Là. Commande de désactivation. C'est ça? Activer les bouches d'aération. Désactivation enclenchée. Ok, donc là du coup je vais avoir de quoi m'arracher. Oui. Pourquoi y'en a hybride? Parfait. Le mécanisme du système de refroidissement est allé. Éliminez les cibles. Attendez, il m'a fait peur avec son. Ok, on est bon? Attends, casse-toi. J'aime beaucoup le feeling des armes par contre. Hein. Allons-y. No spoil, tu as jamais fait avant. Non, c'est le seul halo des jeux principaux que je n'ai pas fait. Je rappelle. Donc en fait sur ce marathon, c'est vraiment le seul que je découvre à fond et c'est pour ça que je prends un plaisir de fou en fait. Parce que ça fait du bien de découvrir un jeu de sa saga. C'est pas ma saga préférée. Mais ça fait du bien de découvrir un jeu de l'une de ses sagas préférées. Surtout que le jeu a l'air bon, vraiment bon. Là où le 4 j'avais un peu plus de mal. Ok, 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 ok. Ok, putain, il y a plein de renforts. Plein de renforts. Wow! Dégage! Voilà! Allez! Ok. Allons-y. Phew. C'est pas indiscret. Non, je ne répondrai pas. Parce que c'était indiscret. Si je peux être large. Non, je vous dirai pas. Ok. Let's go. Ok. Attendez, parce que j'ai du mal à savoir qui sont mes copains de ceux qui sont pas mes copains là. Là, pas copain. Pas copain. Paco. Paco. Pas copain. Ok, j'ai l'impression que ça pète ces merdes. Attends, ça pète ça? Pète pas ça. Ok. Bien. Ah, copain. Mais qui me tire dessus? Qui me tire dessus? Là. Attends. Wouah! Mais attends, attends. Mais j'avais pas vu l'objectif. Attends, mais il y a un milliard de choses à faire. Ah, attends. Ça. C'est ça? Ok, c'est ça. Allons-y. Ok, 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 parce que moi je m'amuse depuis une heure là. Ok. 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 Allez, 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 allez. Et le retour des musiques à l'ancienne, hein. Ah oui, on sent en fait que ce jeu il est plus dans la veine que le 4, bizarrement. Le 4 est pas mauvais, je rappelle. Aucun des jeux Halo n'est mauvais d'ailleurs foncièrement.
Mais ouais. Ok. Ok, je kiffe bien là. Je kiffe bien là. On évacue, équipe bleue. Les Banshees ne sont pas assez rapides pour échapper à l'explosion. Ah merde. Un pélican ? Où ça ? Où ça ? Frédéric, guide-nous vers le hangar le plus proche. On prend un rôdeur. Un quoi ? Un rôdeur ? C'est quoi un rôdeur ? Attends, là ! Alors, est-ce que je peux y aller ou pas ? Voilà l'entrée du hangar. Oh, oui, je peux y aller. Trop bien. Le rôdeur est là, de l'autre côté du sas. Ok. J'y suis, hein. Les gars, station va on se bouge. Au rôdeur, vite. On se bouge, on se bouge. Allez, 1, 2, 3, c'est bon. Grave stylé, j'aime beaucoup l'ambiance, hein. J'aime beaucoup. Juste, je trouve les compagnons qui t'accompagnent un peu chiants. J'ai rien trouvé, hein, comme terminaux, ou comme info, ou comme quoi que ce soit. Voilà le rôdeur. D'autres covenants. Ah oui, d'accord. Tu es là, soyez prêts à décoller. Faites vite, je préférerais être loin d'ici quand la station explosera. Putain, c'est dommage que ça ait déconné comme ça, là. On avait une belle alliance et tout. Ah, ça par contre, ça me manque. Après non, c'est cool de tuer des commandants parce que c'est aussi la base du truc. Mais ouais, c'est dommage. J'aimais bien l'alliance qu'on avait fait. Oui. Alors, il y a du sabre. Il y a du sabre. On va se calmer, hein. Allez hop, Michel. Ok, j'ai un lance-roquette, hein. Si besoin. Ok. J'indique le tableau de bord du rôdeur. Là-bas. J'y suis presque. Vers l'objectif. Le lancement s'active là. Alors c'est un peu bizarre. Parce que ça pour moi c'est un V12 ou un V16. Mais c'est pas une commande de lancement. Wow. Et ben. Ok, je l'ai vu. Je l'ai vu, je l'ai vu. Bien. Le sabre, check. S'il n'y a qu'un seul sabre. Allez, 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 on accélère le pas. Ok. Ok. C'est bon. C'est bon. On va vers où? On va vers où? Ah! Non mais non! Chasseur. Salopard! Mais deux balles de roquette! Fais semblant! Mais quel connard! Mais c'est devenu... atroce les chasseurs! Waouh! C'est quoi ça? Ah, mais ça va en dessous! Oh! Oh, c'est rigolo ça! Il y a de la sacrée verticalité. Hein. Ok, donc je fais quoi? Je. Forcément, je m'en doutais, faut faire les chasseurs. Non, mais les gars! Y'a Kelly, elle est en PLS! Question, si Kelly elle lâche, c'est fini pour elle ou comment ça se passe? J'ai un peu peur là. J'ai un peu peur, y a... Attends, j'ai un peu peur, y'a Kelly là! Est-ce que quelqu'un veut bien sauver Kelly? Sauver Kelly! Allez! Je crois qu'il y en a un autre. Oui, c'est bon! Ok, bon, j'ai géré. C'est dur! C'est dur. Attends, oh oui. Oh oui. Mais c'est bon. On a eu le deuxième. On entend des élites, hein. Bon, qu'est-ce qui se passe? C'est de la résistance, ça a fini là? Ah putain, d'accord, ok, j'avais pas eu le deuxième. Ok, ça c'est bon. Wow! Bonsoir! Quoi? Quoi? Oh les gars, c'est nerveux. Hein. Oh, c'est nerveux. Hein. Ah oui, putain, en termes de rythme, c'est très différent. Hein. Attends, y'avait un truc, c'est quoi ça? Oh! Le Raigen! Trop bien!
Ça c'était monstrueux ça dans le cadre par contre. Tiens, tu sais quoi? Voilà, Raygun c'est ça. Et Raygun c'est bien. Ok. Bon, je me rends pas compte, on avance ou pas là? Ok, c'est bon. Allez, je crois qu'on s'arrache. Tous à bord, équipe bleue. Let's go. Let's go. Oh. RAS. Combien de temps? 89 secondes. Sierra 117 à Infinity. L'argent de Moon affilé. Je réaffecte l'équipe bleue. Destination Méridiane. On a reçu une transmission de Cortana. Négatif 117. Une autre équipe est en partance pour s'occuper d'elle. C'est quoi ce bordel? Vous avez ordre de regagner l'Infinity. Négatif Infinity. J'aime pas ça. Qui que ce soit, il faut qu'on rallie Méridiane avant eux. Kelly, non. Rien ne vous oblige à agir seul, Major. Pas tout se passer en cour martiale, si.